Yo les gens, c'est Zambi1534. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là vous pouvez voir, je suis pas sur le même utilisateur que d'habitude. Là je suis sur l'utilisateur admin. Hein. Donc c'était un petit tuto comment installer MC Creator sur Mac. Donc aussi je vous ferai pas de vidéo sur Windows hein, parce que sur Windows vraiment c'est ce qui est plus simple quand on lance l'application. Alors que sur Mac, c'est un peu plus dur. Donc, simplement, vous allez aller dans le lien de la description. Vous allez faire sauter l'annonce. Hein. Vous allez télécharger. Je vais vous montrer hein, parce qu'il y en a qui vont râler. Mac Creator, voilà. On avait quand même tout fait, tu dis rien dans la vidéo, tu dis on est dessus, on est par ici, on est par là-bas, voilà, tu dis rien. Donc vous allez faire download MC Creator. Donc moi personnellement, j'ai downloadé sur Minecraft 1.7.10. Il y en a qui vont se dire, oui, mais après tu vas nous montrer la commande de d'habitude, voilà, qui n'est plus sur le site. Eh ben non, hein, donc cette vidéo est faite aujourd'hui. Donc voilà, là c'est la nouvelle commande à mettre. Donc c'est celle-là, donc faudra la copier au préalable, comme moi je le fais. Parce que moi vous voyez, j'ai pas du tout prévu de faire une vidéo. Hop, ensuite vous allez cliquer sur Zip Mac Linux et hop, c'est bon. Ça va vous l'installer, vous cliquerez sur sauter l'annonce et c'est bon. Voilà. Donc là vous avez votre Mac Creator. Votre Mac Creator, il est ici. Enfin, ça va apparaître sous fichier Zip comme ça. Donc va falloir l'extraire, donc double clic dessus. Hein, et voilà. Ensuite, ça va vous faire un petit dossier comme ceci. Donc vous allez l'ouvrir, vous dites ouais, c'est comme ça, voilà et tout. Et en fait, si vous ne faites pas sur votre utilisateur admin, donc le premier utilisateur créé sur votre ordinateur, et ben vous n'aurez pas Java Home. Et aussi, il faut télécharger Java, je vous mettrai un petit lien dans la description. Donc vous n'aurez pas ceci qui va vous permettre de lancer MC Creator. Et ensuite, bien sûr, vous aurez l'application qui va se créer ici. Il y aura le logo, tout. Donc la première chose à faire, les amis, les potos, c'est d'aller dans Terminal. Donc là, vous avez ça, votre nom d'utilisateur, etc. Donc voilà, l'utilisateur admin. Donc là, vous allez faire CD, un espace. Donc là, vous allez fermer. Vous allez glisser ça, enfin votre dossier, vous allez faire rentrer, enfin entrer. Et là ensuite vous allez faire sudo chmod 777 et là bien sûr mcreator. Donc là en fait ce que je suis en train de faire, je vais mettre tous les droits ici pour qu'il ait le droit de se lancer quand même. Et en fait, avant ce que je faisais, là, on peut voir que je suis dans le dossier. Donc là, je vais lui donner tous les droits. Donc là, entrée, ça va me demander mon password. Donc le password, c'est le password de l'utilisateur admin, donc le password que vous faites pour entrer sur la session. Donc là, on peut voir, voilà, on est là. Ensuite, va falloir faire sudo. Sudo. Oh, j'arrête pas. Sudo. Et là ensuite, ln espace tiré s un espace cmdv. Donc voilà. Donc là, ça va vous faire ça. Vous faites rentrer. Donc là, vous voyez, bonjour, erreur. C'est complètement normal. Sudo. Si ça le fait pas, bah tant mieux. Donc là, vous allez glisser ceci, hein, qui est mis dedans. Hop. Voilà, vous allez faire entrer. Et là, ça se lance tout seul. Voilà, donc là, vous voyez, succès folie. Et il se lance. Donc voilà, c'était un petit tuto. Et donc là, ça va faire de la loading forge, installing forge. Donc là. C'est normal que ça vous mette un petit truc comme ça. Donc vous fermez, hein, c'est le truc. Et...
Normalement, enfin, c'est normal que ça mette beaucoup de temps à installer Forge. Si vous voulez voir ce que c'est en train de faire, bah, vous pouvez aller dans console. Et après, vous voyez voir, vous allez voir. Mais généralement, c'est assez long. Hein, moi, personnellement, c'était 15 minutes, un truc comme ça. Voilà. Après, là, vous pouvez voir les pourcents. Et après, c'est pas encore fini. Il va y avoir plein d'autres trucs. Donc là, après, vous n'avez plus rien à faire. Rien. Donc, voilà. Donc, vous attendez tranquillement que Forge s'installe. En fait, il y a Forge. 100%. Il y a deux fois 100%. Ah, vous occupez pas, hein. C'est normal que ça tourne encore. Hein. Et après, il va y avoir plein de trucs. Enfin, bref, voilà. Donc, quand vous allez là-dessus, c'est normal qu'il y ait le petit rond qui tourne. Vous pouvez encore pour l'instant rien faire. Et n'allez pas dans les préférences. Je vous dis, pendant que c'est en train de s'installer, allez soit sur la console, soit sur Workspace. Et donc, voilà. Donc, salut, à la prochaine. C'était Zarmi4734. Laisse un com, abonne-toi. N'hésite pas à faire un petit don PayPal.